C'est moi, je suis pas content, hein. Il y a un truc qui me fait dérailler, hein. Je me rappelle quand j'étais jeune, tout petit, j'allais chez ma grand-mère et je voulais regarder un film samedi. J'étais en vacances, hein, j'étais en vacances. Non, 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 pas aujourd'hui, hein. Mais pourquoi, mamie? Parce qu'aujourd'hui, il y a Champs-Élysées. Toute ma vie, je vais avoir 48 ans. Toute ma vie, j'ai été pourri par la sale gueule de Michel Drucker. Est-ce que ce trou du cul, je peux me permettre de dire ça, ce crapsou là, hein, monsieur hélicoptère, vilain, je reçois mes amis en hélicoptère, oh. Oh, le Michel Drucker, est-ce que celui-là, il doit être encore à la télé? Je veux plus le voir, est-ce que c'est clair, net, précis? C'est des chaînes publiques, et ces chaînes publiques, c'est nous qui les payons, les redevances. On n'a pas besoin d'avoir des vieux à la télé. J'en ai marre de voir Drucker, je veux plus voir Drucker à la télé, hein. En plus, lui, c'est un hypocondriaque, un vrai hypocondriaque, comme moi. Lui, il s'est fait soigner du cœur, pas parce qu'il était malade, parce que le docteur, il a vu qu'il avait un peu de graisse autour. Vite, on enlève ça. Il va rester combien de temps à la télé? Le... Hein? Combien de temps il va être à la télé, celui-là? Ils ont dit, sur France 3, le Julien Lepers était trop vieux. Julien Lepers, il est beaucoup plus jeune que le Alda Drucker, hein. Et le Julien Lepers, lui, moi, je me rappelle à l'époque, quand je m'endormais l'après-midi, je faisais une sieste. Enfin, après-midi, c'était toujours 5 heures, hein. Je faisais une sieste. Eh ben, je regardais François parce que lui, je l'aimais bien. Ah non, ah non, ah non, ah non, voilà. Et l'on virait. Mais Drucker, il n'est pas trop vieux. Qu'est-ce qu'il fout encore là? Dites-moi, moi, qu'est-ce qu'il fout là? Il reçoit un cadeau. Ça, je vais vous raconter quelque chose. Lance Armstrong, le gros drogué là, du cycliste, là, le super 7 maillots jaunes là, en France là. Il lui a offert un vélo. Il a offert un vélo à Michel Drucker. Qu'est-ce qu'il a fait avec le vélo de Michel Drucker? Il l'a vendu pour une association. J'ai les doigts qui grattent. Voilà. Il a vendu le vélo de Nils Armstrong, là, de combien? 25 000, 30 000 euros pour une association. Tu reçois un cadeau, tu prends le vélo, tu le prends, tu le plantes dans ton salon et tu fermes ta gueule. Non, je vends pour une association. Pourquoi il a vendu pour une association? Parce qu'il savait qu'il y avait déjà la magouille avec le cycliste. Alors pour dire, oh, moi j'ai rien à voir avec lui, je le vends. Mais lui, c'est aussi un gros magouilleur, monsieur hélicoptère. Virez-moi le Drucker. Moi, j'en ai rien à foutre. Hein. Moi, je ne vais plus le voir. Hein. Je ne vais plus rien le voir. Hein. Je ne vais plus jamais le voir. L'année prochaine, moi, je vais écrire à France 2. Hein. Si l'année prochaine, Drucker, il a la télé. Hein. Je prends la meule, zop, et je coupe l'antenne télévisée. Tout est terminé. Hein. On n'en parle plus. Hein. Je ne vais plus le voir, celui-là. J'en ai marre de le voir. Putain, Drucker, de mes couilles de merde. Là. Je ne veux plus le voir. Je suis en colère. Hein. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Salopard là. Putain, je m'en fous. J'ai encore viré toutes mes vidéos. Une fois de plus, allez, on enlève.